Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la famille. J'espère que vous allez bien. Votre journée de mercredi s'est bien passée. La famille d'ici, d'ailleurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, ce soir, le live va porter sur les points que vous avez vus. Comme premier point, on va parler de la force du patriarcat et de ses dérives. En deuxième point, on va parler de. De l'état d'esprit de certains de nos responsables et de nos responsables, on peut le dire, politiques et autres. Et aussi en dernier lieu, on va parler de nos attentes par rapport à cette société-là et à ces soi-disant responsables-là. Donc, je vais commencer par le premier point. Le patriarcat et ses. Et ses dérives. Donc, vous m'excusez, en fait, j'avais quelque chose à finir là, c'est bon. Donc, c'est bon. Ok, le patriarcat et ses dérives. Donc, vous n'êtes pas sans savoir l'actualité, hein. Je ne vais pas citer de nom. Je n'ai pas l'habitude de citer de nom. Chacun pourra se reconnaître, chacun se connaît. Mais c'est important, en fait, qu'on parle de ça. Et le plus souvent, quand on parle juste du concept de patriarcat, on nous taxe de féministe. Donc moi, je parle du patriarcat, ça veut dire le système actuel que nous avons. Le système que nous avons et qu'on est tout le temps en train de dénoncer et que nos hommes politiques, nos soi-disant leaders politiques et d'autres veulent changer ce système-là. C'est le patriarcat. Ce système-là, c'est le machiste. Donc, c'est vraiment dommage de voir que dans ce pays-là, jusqu'à présent, en 2022, il y a des responsables politiques qui ont de l'ambition, qui veulent être acteurs des changements de notre société, qui parlent de la femme de certaines manières. Quand on entend quelqu'un dire que dans ce Sénégal que nous sommes là, nous ne sommes pas encore prêts d'avoir une présidente femme. Ça pose problème. Ça veut dire que vraiment, le pays là, au lieu d'avancer, on régresse mentalement. On est dans un monde où on est là à se glorifier de ce monde. On dit que oui, maintenant c'est la mondialisation. Oui, maintenant c'est le développement. Oui, maintenant nous sommes dans un monde où c'est un village planétaire. Le Sénégal est l'un parmi tant d'autres pays qui est là. Et ce Sénégal-là, depuis 1980, a signé cette charte-là, cette convention-là, pour l'élimination de tout type de discrimination envers la femme. Ce qui a été ratifié en 1985. Dans ce Sénégal-là, où on a connu deux alternances successives, dans ce Sénégal-là, où on a été, où nous sommes des fils, des petits-fils, des petites-filles, de grandes dames. C'est dans ce Sénégal-là qu'on nous dit qu'il ne faut pas se fatiguer, que nous ne sommes pas encore prêts à avoir une présidente au Sénégal. Si on avait parlé de compétences, si on avait parlé d'aptitudes, si on avait parlé de critères qui pourraient au moins définir à quoi nous voulons ou bien à quel type de profil, si on parlait de profil, on aurait pu comprendre, mais on parle de femmes. Que nous ne sommes pas encore prêts, ça veut dire que nous sommes en retard par rapport à ce monde. Et nous nous disons que nous voulons nous développer. Nous nous disons que nous sommes un peuple ou bien un pays soi-disant émergent, que nous voulons aller de l'avant, que nous sommes ouverts.
Et dans cette dynamique-là, on parle de discours sexiste, de discours de discriminatoire. Ça veut dire que la femme n'a pas droit à être présidente dans ce pays-là. Que vous femmes-là, revoyez votre ambition à la baisse. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Allez dormir. C'est vraiment désolant. Si on l'entend de la bouche de quelqu'un qui est peut-être pas à certains types de responsabilités, ou bien qui n'est pas un acteur connu, peut-être ça ferait moins de mal. Mais des gens qui incarnent la rupture, des gens qui incarnent un autre type de Sénégal, des gens qui incarnent la fin de ce système-là, des gens qui incarnent l'alternative, nous prennent ce discours-là, ou bien nous tiennent ce discours-là, c'est ça qui pose problème. Pourquoi la société sénégalaise, ou bien la société africaine, a un problème avec la femme? Quand on parle, on vous dit, oh, fermez-la. Quand professionnellement, on évolue quelque part, ne serait-ce que si tu es supérieur à un homme, il te fait sentir que, ne serait-ce que, même si tu lui donnes ses tâches, tu lui confies des responsabilités, tu lui demandes de faire quelque chose, le seul fait que tu sois femme pose problème. Si c'était un homme qui était supérieur, son supérieur, ça ne poserait pas de problème. Mais si c'est la femme, une femme, ça pose problème. Ça veut dire que nous sommes, ou bien nous avons une société machiste. Il y a des hommes sexistes. Après, on nous dit, le leadership féminin, oui, pourquoi les femmes sont là? On ne les voit pas. Il n'y a pas beaucoup de femmes engagées en politique. Il n'y a pas de femmes battantes qui incarnent certaines positions en politique. Comment nous allons le faire dans cette dynamique-là? Si les assez, on les respecte de par leur âge, parce que nous sommes bien éduqués, on respecte tout un chacun, on ne manque pas de respect. Si des gens qui devaient être aujourd'hui nos aînés, si des gens qui devaient être aujourd'hui nos mentors, ces gens-là qui devaient nous mettre sur la bonne voie, nous donner des conseils, nous orienter, c'est eux qui nous voient comme ça. Ça veut dire que la femme, tout ce qui est réducteur, c'est la femme. Ça pose problème. Et le plus souvent, ils utilisent la religion pour dire que oui, la femme ne peut pas être. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes en 2022. Parlons de l'Afrique. On est à 9. L'Afrique compte aujourd'hui, dans son histoire, 9 femmes présidentes de la République. 4 femmes qui ont été élues. Et 5 autres qui ont été présidentes par intérim. Nous, on a signé cette charte-là à l'élimination de toute discrimination vers la femme en 1980. On l'a ratifiée en 1985. En 2010, on a voté la loi parité. Oui, les hommes ont dit oui, parité, maintenant c'est parité. Donc c'est une femme, un homme. Ils n'ont même pas compris le concept de parité. Ils n'ont même pas compris le paradigme, le changement de paradigme dans lequel nous devons nous trouver. Après, on parle de réalité socioculturelle. Ça, c'est ne pas connaître l'histoire de l'Afrique. Ça, c'est ne pas connaître l'histoire de l'Afrique. Toute personne sérieuse, consciencieuse, responsable, qui connaît l'histoire de l'Afrique, ne va jamais tenir un tel discours. L'Afrique était matriarcale. Prenons l'exemple du Sénégal. Parlons du Sénégal. Qui ne se glorifie pas d'être petit-fils ou petite-fille de Ndiaye Yalla, de Diemba Mbodj, de Aliou Sitiwa Diatta, qui ne se glorifie pas de ces grandes dames-là et de cet patrimoine de valeur que Dieu nous a fait don. Avant, on avait les royaumes. Les royaumes, les successions ne se faisaient pas droit de mère, c'était pas droit de père. Et dans ce Sénégal-là, combien d'années après on tient ce discours-là? Qu'est-ce que les femmes n'ont pas fait dans ce pays? Qu'est-ce que les femmes n'ont pas été dans ce pays? Quand on parlait de Linga, c'était les femmes, c'était les grandes dames. Et maintenant, on est dans un pays où, avec la colonisation, après l'esclavage, avec la colonisation, le patriarcat s'est renforcé avec ce système-là pour donner la place aux hommes. Mais on vous respecte. Mais aussi, respectez-nous. Maintenant, quand on est là à parler, on dit oui, vous êtes là tout le temps à demander qu'on vous valorise. C'est pas ça. Nous sommes déjà valeureuses. Dieu nous a bénis. La femme est bénie, la femme est sacrée. Donc ça, on a dit qu'on ne vient même pas. Mais en 2022, que des responsables politiques osent nous dire que c'est pas pour demain
Qu'on aura une présidente, ça c'est honteux. Ça veut dire que nous, mentalement, on régresse, on n'avance pas. Mimi Touré, pour citer. Aujourd'hui, ça devait être une fierté féminine. Une femme qui a été là. On a tout entendu pendant la campagne. On a tellement entendu de concepts, de mots, de paroles, de termes discriminatoires ou bien même sexistes envers elle. Mais on a dit, c'est pas la peine, on laisse passer. Parce que c'est la campagne, chacun a le droit d'essayer de déstabiliser l'autre. Mais ça devait être même un combat de femmes. Une femme tête de liste nationale d'une grande coalition qui s'abat jour et nuit pour ses valeurs et ses convictions. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Mimi Touré? Qu'on soit d'accord avec elle ou pas d'accord avec elle, tout le monde doit être d'accord qu'elle est compétente. Oui, politiquement, on peut ne pas être d'accord. Oui, politiquement, on peut ne pas avoir la même vision. Politiquement, on peut ne pas être dans son camp, mais on lui doit du respect parce qu'elle a du mérite. Cette dame-là mérite d'être présidente de l'Assemblée nationale, mérite d'être présidente de la République du Sénégal parce qu'elle a les compétences, elle a le courage, elle a la force et elle est travailleuse, elle a la rigueur. C'est de ça dont on a besoin. Maintenant, on pouvait venir nous dire que oui, elle ne peut pas parce que il y a tel critère ou bien le profil ou bien ceci, cela. Mais qu'on dit que le Sénégal n'est pas prêt à avoir une dame présidente, ça vraiment, c'était la chose de trop. Maintenant, moi, je me dis que on est dans un pays qui n'est pas sérieux du tout. Le pays, le Sénégal que nous sommes maintenant, on ne sait pas ce que le Sénégal. Ce n'est pas le Sénégal que nous connaissons. C'est le Sénégal où maintenant tout est permis. Le Sénégal où maintenant on n'a que de la médiocrité. Le Sénégal où le niveau est bas. La politique devrait être revue. Parfois, on le dit, la pratique politique, les gens nous disent oui, la pratique politique a toujours été comme ça. Mais maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui essaient de créer des mouvements ou bien qui essaient de se faire voir en politique. Malgré c'est difficile que les femmes accèdent à certains postes de responsabilité. Même si la loi parité est là, les femmes qui militent, qui évoluent au sein des mouvements et des partis politiques, elles ne peuvent même pas de raconter au quotidien ce qu'ils vivent. Parce que les hommes sont sexistes au Sénégal. Moi, je pense que la femme doit toujours être l'objet, ou bien toujours être là-bas, à être là, à applaudir et être suivie. Alors que les femmes ont prouvé de par le monde leurs compétences, ont prouvé de par le monde leur rigueur, leur savoir-faire. Pourquoi ne serait-ce que pour ça, on ne pourrait pas leur donner du respect et ne pas les dévaloriser, surtout publiquement? Donc c'était ça en fait que, moi je me suis dit que, ça, les femmes sénégalaises ne doivent pas laisser passer ça. Si on est en 2022 et qu'en Afrique, on a 9 présidentes femmes et qu'on est là, le Sénégal qui a été la capitale de l'AEF, le Sénégal qui est, même on dit, on est là à se glorifier de ça. Oui, géographiquement, géostratégiquement, le Sénégal occupe une position telle. C'est dans ce Sénégal-là où des responsables politiques nous tiennent des discours sexistes, ça c'est inacceptable. Et on ne doit pas l'accepter. Parce que là, on n'est plus dans les critères. Parce que là, on n'est plus dans les profils. Parce que là, on n'est plus dans les compétences. On est dans la discrimination de genre. Et ça, ce n'est pas un combat de féministes. C'est un combat de femmes. Moi, je me dis, toutes les femmes valeureuses sont féministes. Chacun est féministe à sa manière. Même la religion qu'ils veulent parfois nous imposer pour nous dire oui, en islam ou bien en ceci, la femme doit. Les vraies religions, je ne parle pas des gens précieux qui sont là à faire du paraphraser. Je parle des religieux. Les vraies religions, ceux qui comprennent la religion, la spiritualité et la philosophie de la religion. Ceux qui vivent la religion, tu ne verras jamais. Tu les verras manquer de respect à la femme ou dévaloriser la femme. Mais c'est juste les gens qui sont limités qui le fassent malheureusement. C'est pourquoi nous devons aller à un changement de paradigme dans ce pays-là. Ceux qui veulent combattre le système, si c'est eux qui prennent ces dispositions-là mentalement, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à faire ce qu'ils sont en train de prôner. Parce que le système, c'est tout un ensemble. Et ce système-là qui fait que les hommes restent ce qu'ils sont et font ce qu'ils font. Depuis 1960, chers hommes,
Vous êtes à la tête de ce pays. On vous a donné combien d'années vous êtes à la tête de ce pays à gérer. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Certes, il y a des acquis. Certes, il y a des avancées. Mais on vous l'accorde. Mais nous aussi, accordez-nous de vouloir pouvoir essayer. Et j'en suis sûre que le jour où on aura une présente dame, les choses vont changer. Vous n'allez plus entendre parler de caisse volée. Vous n'allez plus entendre parler de ce qu'on dit là. Le fait d'aller faire ce qu'ils font avec leurs amis là. Chacun est là pour son ami. Chacun est là pour son cousin, sa cousine. Tout ça là va changer. Parce que les femmes ne sont pas dans ça. Les femmes sont focus. Les femmes sont rigoureuses et les femmes sont travailleuses. Donc, quand on veut écarter quelqu'un, essayons de trouver vraiment des arguments qui valent la peine. Mais pas d'arguments sexistes, pas d'arguments discriminatoires. Et vous là, nos responsables politiques là, vous ne nous respectez pas. Nous sommes dans un pays où le seul des ambitions a fait que chacun ne fait que... Excusez-moi du terme, la majorité des acteurs politiques, moi je parle même pas, ils sont pas des hommes politiques, parce qu'un vrai homme politique est quelqu'un d'engagé, de servir et de réfléchir. Ce sont juste des politiciens opportunistes. Maintenant, c'est la tendance, tout le monde veut être quelqu'un dans ce pays, et on ne va pas laisser que les femmes puissent s'affirmer. On a vu pendant la campagne, les locales, combien de femmes ont été inhibées comme ça, ou bien les rares femmes qui sont investies sur les listes, se battre férocement pour être investi dans des positions vraiment intéressantes. Ou bien on met des femmes sur les listes parce que juste on a dit un homme, une femme. Et pour te dire que même ça, parfois les choix se portent surtout sur les critères qu'il faut. On a vu ce qui s'est passé avec les législatives, les listes qui ont été folklore parce qu'ils n'ont pas pu respecter même la loi paritaire là. De faire un homme, une femme, de les disposer alternativement un homme, une femme. Ça veut dire que mentalement, ils ont des problèmes avec le genre féminin. Et ça se voit et ça se traduit sur tous les actes de tous les jours. Il faut évoluer dans les milieux professionnels pour vivre ça. Soit femme, soit supérieure de quelqu'un, tu vas souffrir juste parce qu'il préfère ne pas bien faire son boulot juste parce que son supérieur est une femme. Et c'est ça. On a un problème avec la femme dans ce pays-là. Et maintenant, c'est malheureux et c'est dommage qu'on vienne jusque sur des plateaux télévisés nous tenir ce discours-là. Et vous là, les journalistes-là, votre responsabilité dans tout ça? La télé, la radio, l'internet, la presse et les capitales. C'est un outil de service public. C'est un outil qui est là. Pourquoi informer juste? Pourquoi éduquer, sensibiliser. Mais les médias maintenant, on dirait que, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on voit. On voit que de la médiocrité. C'est pas à tout le monde qu'on doit donner le micro, tendre le micro. C'est pas tout le monde qui a droit aux paroles, surtout si la parole est publique. Ce genre de personnes-là, on ne doit pas les donner la parole. Parce que c'est pas respectueux, c'est pas sérieux. Maintenant, en tant que journaliste, en tant qu'un homme de médias, bien formé, bien outillé, qui connaît son travail et le sens de son travail, quand quelqu'un tient de tel discours, tu n'as pas le droit de dire oui et de ce qui est. Tu dois relever parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Quand tu suis, tu es toi aussi dans la discrimination. Tu es dans la discrimination. Et c'est dommage qu'on n'a plus des plateaux comme on les veut. De plus en plus, le niveau est bas. De plus en plus, le niveau est bas. On veut des plateaux constructifs. Il faut faire le profilage des hommes et des femmes qu'on a vus sur les plateaux pour débattre des questions essentielles et fondamentales. Mais qu'on mette des gens sur des plateaux juste par leur nom, qu'on mette des gens sur des plateaux juste parce qu'ils font le buzz, qu'on mette des gens sur des plateaux juste parce qu'ils ont de l'argent, ça doit cesser parce que ça ne nous arrange pas et ça ne fait rien de bon. Il ne faut pas permettre à la médiocrité de perdurer dans ce pays-là. Oh là là, c'est depuis 2 ans et plus, on vit ça. On vient dans un plateau, on fait 1 heure de temps, 2 heures de temps, on ne dit rien de constructif et d'utile pour la société. On est dans le dénigrement,
on est dans les insultes, on est dans l'animosité, on est dans tout, sauf dans du constructif. Le débat, c'est pas de voir si le Sénégal est prêt ou pas à avoir une femme comme président. Le débat, c'est pas ça. Et si c'est Mimi Touré votre problème, c'est des arguments qui valent la peine, mais pas des arguments sexistes. Ça, on refuse. Politiquement, tu peux être d'accord avec elle ou pas, mais elle a toutes les qualités, toutes les compétences pour être présidente. Il faut lui accorder ça. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, mais chercher d'autres arguments pour la disqualifier. Mais pas ce discours-là. Et maintenant, vous là, les responsables des médias, vous là, les journalistes qui ont des plateaux à animer et des émissions à animer, s'il vous plaît, c'est pas pour rien qu'on vous appelle quatrième pouvoir. C'est pas pour rien que la presse a son importance dans le champ politique et social. On est dans un pays où on a vu depuis quelques années que le chef des ambitions a fait que chacun veut devenir maire, chacun veut devenir député, chacun veut devenir ministre, chacun veut devenir président. Même celui qui se réveille tout d'un coup se dit être président. Alors qu'il faut savoir que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui sera président. Toute une génération, pour toute une génération, Dieu choisit une âme bénie pour que celle-là soit président. Ça, c'est un choix divin. Oui, réconforté par un travail. Oui, après tant d'années de sacrifice et d'engagement. Oui, après tant d'années d'abnégation. Oui, mais c'est le choix divin d'abord. C'est Dieu qui choisit parmi une génération, une âme bénie pour présider à la destinée de toute une nation. Maintenant, c'est le rêve de tous les Sénégalais. C'est bon, chacun a le droit d'avoir des ambitions, de les nourrir, mais seulement. On veut quelque chose de qualité. On veut quelque chose de high level. Qu'on fasse une upgrade. Les Sénégalais ont dépassé les hommes politiques. Le Sénégalais lambda a dépassé l'homme politique de niveau. On veut des hommes politiques comme ça, avec un niveau fort, qui font des upgrades, mais pas de nous tirer dans la médiocrité. Vous là, qui sont élus maires, vous avez du boulot. On avait dit quoi dans ce Sénégal là? Que oui, on va en finir avec ce système. Oui, on va en finir avec quoi? Le cumul des mandats. On a vu des gens qui ont été récemment, qui ont passé partout pour dire qu'il faut en finir avec le cumul de mandats. Actuellement, ils sont maires et ils sont députés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On verra. Maintenant, s'ils sont élus maires, dernièrement, on a vu les inondations, même pas avec les pluies ou les conséquences que ça a donné là. Où sont les compétences transférées? Les mairies là, vous avez 9 compétences transférées, dont l'urbanisation, dont l'environnement, la santé, l'éducation. Qu'est-ce que vous faites de ces compétences transférées? Vous êtes là à nous parler de plan OSEC. Oui, l'État a sa responsabilité avec le plan OSEC. Mais vous là, vous êtes élu. Vous avez dit que vous voulez vraiment, vraiment que les choses changent. Vous êtes élu. Dites-nous. Quand vous venez dans les plateaux là, dites-nous concrètement, depuis que vous êtes élu, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et avec les compétences transférées, parce que vous dites oui, vous n'avez pas les prérogatives, vous ne pouvez pas faire parce que l'État vous cogne ici, l'État vous bloque là. Tout ça, on peut comprendre. Mais vous avez des compétences bien transférées qui sont à votre portée. Qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi les canaux n'étaient pas curés à temps? Pourquoi l'eau? Vous ne réveillez pas à ça. Maintenant, peut-être que l'eau vous dépasse le problème de l'eau. Allons dans le cadre de vie. Voyons le cadre de vie sénégalais. L'environnement dans lequel nous vivons au quotidien, le cadre de vie. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous en faites? Après, vous dites oui, on vient d'arriver. Oui, on veut que vous nous parlez de ça. Concrètement, vous êtes dans quoi? Et ceux qui sont élus pour députés là, qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous révolutionnez cette Assemblée nationale-là. On a dit que oui, la 12e législature n'était pas la bonne. La 13e était la législature la plus nulle de l'histoire politique du Sénégal. Et vous, la 14e législature, qu'est-ce que vous allez faire pour révolutionner? On nous parle de projet d'article. Oui, on prend. Proposez-nous. Mais ne serait-ce que vous n'avez pas encore démarré, on entend tout ce qui se dit. Chacun va être, oui,
dans un groupe parlementaire, chacun veut être chef de groupe parlementaire. Maintenant, on se moque de nous pour nous dire que chacun veut être président de l'Assemblée nationale. Mais on se moque de qui dans ce pays-là? Il faut aussi respecter les Sénégalais que si on vous a fait confiance, qu'on vous a donné les voix qu'on vous a données pour vous permettre aujourd'hui d'essayer de vous affirmer, d'être sérieux et d'être respectueux avec nous. Votre problème, ce n'est pas avec la femme sénégalaise. Votre problème, c'est vos rapports avec le travail. Malheureusement, vous n'avez pas le culture du travail bien fait. Et les responsabilités, ça s'assume. On n'a pas besoin, aujourd'hui, dans ce contexte que nous avons, d'avoir des hommes politiques qui sont toujours dans la médiocrité. Et aussi, on en a assez de cette presse-là qui favorise la médiocrité. On veut des plateaux constructifs où on va parler d'éducation. Comment que les hommes politiques ou les acteurs techniques viennent nous parler de comment on va refonter ce système éducatif-là. Quelles propositions ils ont pour refonter le système éducatif. Les instituts sanitaires là, qui ont des problèmes à accueillir convenablement les malades, à faire un bon traitement, ou bien les cas, parce que aussi la santé sociale est une compétence transférée avec la santé. Donc que les élus locaux nous disent que, quels sont les programmes qu'ils ont mis sur place pour veiller sur ça, pour accompagner les malades nécessiteux pour leur traitement. Le côté social, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Quand on parle du social, on n'a pas besoin de donner du riz, de l'huile, du sucre. On en a assez. Cette politique-là, on ne veut plus. Cette politique alimentaire, on n'en veut plus. Vous êtes mieux que nous, vous êtes plus fort que nous. Montrez-nous ça, faites des résultats. Mais le jour où les femmes se mettront devant, vous aurez que ça va, ce ne sera même pas photo. On respecte, respectez-nous. Maintenant, on vous a donné, on vous a confié des responsabilités déroulées. On a vu les femmes qui ont été parmi vous, qui ont osé dire qu'elles voulaient des mairies. Ces femmes-là, on a vu ce qu'elles ont subi. Parce que juste, elles ont osé avoir la prétention d'être mère. On a vu ce qui s'est passé dans les manipulations avec ces femmes-là. Pour juste ne leur pas leur permettre d'avoir certains postes de responsabilité. Mais ce qui va se passer à l'Assemblée, vous allez voir des bureaux parlementaires où peut-être qu'ils vont essayer de respecter certaines règles disciplinaires ou bien certains textes. Mais on sait dans votre fort intérieur, ça ne vous enraille pas. Maintenant, je pense que maintenant ça doit être notre combat. Si le niveau est comme ça, vous l'amenez à ce niveau-là, que c'est tellement bas que vous faites maintenant des débats sexistes dans les télés ouvertement comme ça. Juste politiquement, ça veut dire que vous n'avez pas d'argument. Un, deux, vous ne connaissez pas c'est quoi la politique. Trois, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment africain, ni sénégalais. Un africain qui se respecte, un sénégalais qui se respecte, ne va jamais dire que la femme ne peut pas présider. Parce qu'avant, la femme était au cercle de décision. Avant, la femme était la gardienne des traditions. Avant, la femme était au centre de toute décision prise. C'est ceux qui ne savent rien qui osent tenir certains discours. Ça veut dire que nous voulons avancer et nous refusons de progresser mentalement. Nous voulons rompre avec un système qui nous arrange. Ce système-là vous arrange pour les hommes, malheureusement. Le système est fait pour vous, par vous, pour vous. Et maintenant, vous avez heureux que les femmes et des ambitions. Le Sénégal a eu une députée femme depuis quand? Caroline Fay. Ministre femme depuis quand? Caroline Fay. Première femme députée, ministre. On a eu Maimouna Diop. On a eu des Ndiora Ndiaye. On a eu des Mama Diop Boy. On a eu des Aminata Menga Ndiaye qui ont servi l'État, qui ont battu pour la cause féminine. On a eu des Aminata Touré. On a eu, qu'on le veuille ou non, Aminata Touré a fait quelque chose dans ce Sénégal-là, politiquement. Son même parcours international devrait être un modèle pour chaque dame de ce pays-là, pour dire que c'est possible pour la femme sénégalaise de faire des carrières internationales, d'avoir une carrière politique et d'être fière d'elle. Elle nous a prouvé ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher?
On peut lui reprocher des trucs politiques, mais que ça soit vraiment argumentaire, mais pas dans la bassesse, dans le sexisme. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ce Sénégal-là ne mérite pas ça. Nos anciens, nos grands-pères, nos grands-mères ont toujours se sont combattus pour avoir un pays honorable. Nos pères ont fait de leur mieux pour garder sa lettre. Nous, notre génération, nous ne devons pas faillir à ce niveau-là. On peut tenir des discours, on peut prendre parti, on peut faire de la politique, mais sainement. Le discours sexiste ne doit pas faire, ne doit pas avoir de place. Et les hommes de médias et les femmes de médias doivent veiller sur ça. On ne doit pas insulter la femme parce que juste que les femmes. On ne doit pas dénigrer parce que juste que les femmes. On ne doit pas rabaisser parce que juste que les femmes. Que tous ces qualificatifs réducteurs-là, vraiment qu'on les range dans les armoires et qu'on se respecte, qu'on se donne la main pour travailler. Parce que ce pays-là ne sera pas fait seulement par les hommes. Regardez, quand tu sors à 4h du matin, tu vas voir les femmes avec leur seau, avec leur grand bol, avec tout ce qui va, avec leur sac pour aller dans les lointains, dans les marchés, prendre leurs légumes ou leurs poissons ou leurs aliments, venir vendre ça, aller gérer la maison, le soir aller vendre, après venir gérer la maison et on les entend même pas parler. Combien de femmes se sont sacrifiées pour que leur famille soit debout. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans ce pays-là. S'ils ont réussi, c'est grâce à leur maman. S'ils ont réussi, c'est grâce à leur femme, à leur épouse qui a joué son rôle d'épouse et de mère. Donc, on doit respecter à ces femmes-là. On ne doit pas utiliser des trucs réducteurs comme ça. Juste pour ne pas qu'elles nourrissent leurs ambitions. Il faut savoir que vous le voulez ou non. Que les hommes, je ne parle pas à tous les hommes politiques parce qu'il y en a de certains qui sont vraiment, au contraire, c'est eux-mêmes qui motivent les femmes à aller de l'avant. Mais de ces gens-là qui sont réduits mentalement, de ces gens-là qui sont réduits pour aller dans ce sens-là, qu'on ne nous amène pas dans ce débat-là, parce que ce ne serait pas intéressant. Le Sénégal a besoin de ses femmes, le Sénégal a besoin de ses fils, le Sénégal a besoin de ses filles pour avancer. Ce n'est pas que seulement les hommes vont faire ce pays. Ce n'est pas seulement que les femmes vont faire ce pays. On a fait la charte africaine pour la femme. On a fait la charte africaine pour l'autonomisation de la femme et des jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous, là, les hommes politiques qui sont là à faire le tour des plateaux, on ne vous entend jamais parler de ces chartes-là. On ne vous entend jamais parler de vos programmes. Vous êtes toujours dans les détails. Vous êtes toujours dans le... Ce que vous savez mieux faire, vous insulter, vous dénigrer, c'est seulement ça. Nous, on ne veut plus de ça. Maintenant, nous, les femmes, on refuse d'entrer dans ce jeu-là. Mais on fait notre rôle. Laissez-nous faire notre rôle. Le mimitour est là. Toutes les femmes du Sénégal, si ce n'était pas des questions de partisans ou des questions de parti pris, chacun devrait même être fier et porter, battre campagne pour elle. Parce qu'elle a été une femme tête de liste d'une majorité comme ça. D'une majorité présidentielle. Donc, elle a du mérite. On l'a vu faire le tour du Sénégal, nuit, jour, à toute heure. Au lieu de ça, au lieu de valoriser ça, au lieu de magnifier ça, au lieu de féliciter ça, vous êtes là à utiliser des trucs racistes, réducteurs envers elle. Politiquement, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais qu'on fait les choses sainement. Le Sénégal a besoin d'un autre type de politique. Le Sénégal a besoin de voir d'autres pratiques, mais pas celle-là. Maintenant, pour le changement de paradigme, on ne peut pas avancer sans ça. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut faire des sacrifices. Le Sénégal ne peut pas être là. On se dit qu'on veut vraiment aller vers de l'avant. On veut une société meilleure. On veut vraiment vivre le progrès. Vivre le progrès. Donc, dans ce sens-là, il faut que... Vous avez dit que ce système-là n'est pas bon, donc il faut qu'on s'en sépare. Donc il faut assumer. Ce système-là, c'est fait par vous les hommes, pour vous les hommes. Ça vous arrange. Séparez-vous de ça. Donnez à chacun ce qui lui revient. Et le Sénégal ne va faire que se sentir mieux et aller de l'avant. Maintenant, on est là. Certes, on n'est pas dans certains trucs, c'est pas intéressant. On nous connaît parce que nous sommes engagés, mais aussi nous sommes engagés par la cause féminine.
Et c'est aussi ne pas être, c'est être ému de ne pas pouvoir se prononcer dans certaines choses. On peut faire de la politique, être quelque part, mais la cause féminine, on doit défendre ça. Et il faut savoir que la sororité est là. Il est temps que les femmes fassent de la sororité. Parce que ce qui s'est passé avec Mimi pendant la campagne, personne, les femmes n'ont rien dit. Ils ont laissé passer juste parce qu'elle était tête de liste de quoi? D'une coalition, mouvance présidentielle. Et on a vu que la situation politique du pays était comme ça. C'est pas stable. Les gens ne voulaient pas, bien, ils ont eu peur avec cette guérilla qui est là, hein, ce terrorisme intellectuel qui est là. Les gens ont même peur d'aller vers là, alors qu'au Sénégal, partout dans les autres pays africains, quand une femme est quelque part, dans les niveaux comme ça, les gens, les femmes lui prêtent main forte. Mais si nous ne l'avons pas fait, nous avons failli. Il y a d'autres choses qui se sont passées avec des femmes. On a eu, beaucoup ont eu peur, elles n'ont rien dit. On peut comprendre, mais qu'on reste dans les plateaux, qu'on dise que oui, le Sénégal, ceci, cela, ça veut dire que tu connais rien de la politique sénégalaise, tu connais rien de l'histoire sociétale du Sénégal, tu connais rien de l'histoire sociétale de l'Afrique, parce que la femme a toujours été et elle sera toujours. Nous sommes au début et à la fin. Donc, le jour où nous voulons être au pouvoir, nous le serons. Mais on va battre campagne normale, on va être investi et on va vous montrer que quand notre tour viendra, vous saurez que c'est une femme qui est à la tête de ce pays-là. Ce qui se passe dans ce pays-là, un pays où les gens ne travaillent pas, un pays où on fait que parler, parler, parler. Tu confies des responsabilités à une personne, cette personne n'est pas capable de le faire. On voit ce qui se passe dans les structures, les gens ne travaillent pas. Ça, c'est du laxisme pur et dur. Chacun se frime, montre qu'on s'appelle bien, on est bien en costume, on a notre bagnole, on a notre bureau bien, bien feutré. Mais la productivité là, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à ce pays-là? La majorité d'entre vous. Avec tous les postes de responsabilité, tous les mérites que vous avez, tous les salaires que vous avez qui vont avec, quelle est la valeur ajoutée que vous avez apportée à ce pays-là? Quantifiez ça. Donc, c'est pas à nous de nous parler comme ça. Qu'on se respecte. Qu'on se respecte. Notre entente, c'est que l'homme politique et la femme politique se battent dignement. Que chacun, on va entendre des discours de vision. On va entendre des discours sur les objectifs, sur la faisabilité de vos projets. Vous êtes là à parler, mais concrètement, vous n'avez même pas de projet. Oui, on a un projet, on a travaillé, mais point sur point, on voit les plateaux, on les suit, on écoute les radios, on voit tout. Vous ne voyez pas même débattre point par point pour montrer que, oui, vous allez réfléchir à un projet et vous pensez à la faisabilité comme ça, vous ne le faites pas. Le Sénégal est là, on vit l'inflation. Vous avez quelque chose à parler, vous là, les hommes politiques là, qui fait le tour des partis, des plateaux là. Parlez-nous des solutions qui pourront nous aider dans cette dépendance alimentaire. Tout est importé dans ce pays et ça coûte extrêmement cher. La terre est là, hein? L'eau est là. Les milliards qu'on entend à gauche et à droite là. Dites-nous comment on peut rentabiliser ça pour être autonome alimentairement, pour ne plus dépendre de l'autre, pour construire nos pays, pour urbaniser nos cités, pour améliorer nos cadres de vie, pour que la santé soit pour tous, que la personne qui ait les moyens ou pas puisse se soigner, que les plateaux médicaux soient rehaussés de qualité, que le personnel soit plus, qu'on recrute plus, qu'on forme plus, qu'on ait des politiques pour plus de personnes, pour les masters scientifiques, d'accompagner ceux qui veulent se spécialiser pour avoir plus de spécialistes. C'est ça les vrais débats. Les vrais débats, ce n'est pas les débats de personnes. Les vrais débats, ce n'est pas les débats sexistes. Là où on vous attend, on s'attend par rapport à vous, c'est ça. Amenez-nous des propositions de solutions. Amenez-nous point par point vos projets qu'on en débat. Mais pas de nous dire que le Sénégal est prêt ou pas pour avoir femme président. Le jour où les femmes voudront être présidentes de ce pays, elles seront prêtes pour y aller, nous le serons. Parce que nous sommes plus déterminés que vous, et nous sommes plus rigoureuses que vous. Et nous ne sommes pas dans les trucs-là de fonds qui disparaissent à gauche et à droite. Donc, faites votre part des choses et laissez-nous
faire notre part des choses. Le jour où ça doit et ça se fera, que ça soit Mimi Touré ou un autre, le Sénégal aura une femme présidente. Ça, il faut même pas en débattre. Il y aura une femme présidente parce que seulement c'est dans cette condition-là qu'on pourra changer les choses. Il faut une rupture, cassure carrément avec cette dynamique. Parce que vous êtes là à nous parler de système et d'antisystème. Aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir et l'opposition, ce sont tous des gens du système. Ce qui incarne le pouvoir, ce sont des gens qui ont déjà été dans le système, qui ont été dans le système. Ce qui incarne l'opposition, ce sont des gens du système. Donc, quelle est la différence? C'est du 6 au 9, c'est du pareil au même. Nous ne sommes pas dans ça. Présentez-nous du concret. Faites ce que vous devez à faire. Vous avez demandé, on vous a donné. Faites ce que vous avez fait. Et de grâce, nous ne voulons plus de cette médiocrité-là. De grâce, on veut des choses constructives. Si les débats ne peuvent pas être constructifs, mieux vaut faire passer des documentaires, des reportages, des choses au moins intéressantes. Mais qu'on ne laisse pas les gens dire du n'importe quoi sur les plateaux et des journalistes sont là à ce qui est ici. Ça c'est quoi ça? Le Sénégal, au lieu de progresser, on veut régresser. Au lieu d'évoluer mentalement, dans un monde ouvert, on veut nous enfermer dans nos trucs là. Le changement de paradigme est un impératif. Les paradigmes vont changer. Soit vous êtes acteur, soit vous n'êtes pas acteur, mais les choses vont changer. Et ne vous fatiguez même pas. Vous là, les machistes, vous là, les sexistes, vous là, qui avez des problèmes avec la gente féminine là. Préparez-vous. Vous allez avoir des premiers ministres femmes, vous allez avoir des présidentes assemblées femmes, vous allez avoir des DG femmes, plus de DG femmes, vous aurez une présidente femme. Vous allez réveiller dans un Sénégal où le président de la République est une grande dame qui dort là-bas. Et on va voir qui va décider qui sera le gardien de la Constitution, qui sera le chef suprême des armées, qui sera tout dans ce pays-là. Et vous allez voir, est-ce que si vous allez migrer, est-ce que vous allez sortir de ce pays-là ou est-ce que vous allez faire autre chose ou bien vous allez rester dans ce pays-là? Ça, c'est pas sérieux. Il faut du sérieux, qu'on se respecte. Il faut que... Parce que dans le cas, il faut que... Parce que... Vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui ont parce que c'est l'éducation de l'homme. Mais le Sénégal, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Parce que aujourd'hui, si tu as un cas, aujourd'hui, buñu saagan daw ni tay buñu wax yenn ba paré on voit que tay di ay kilifa yu warona tok dina yedd dina tek ci yoon ñom noy wax yenn du rafet du djek. Maintenant nous sommes pas dans les détails, on va pas entrer dans les détails, mais chacun sait lu rafet ak lu rafetul. Amna yo xamni djekul, amna yo xamni mag du ko def, xalé moy def ay bêtises da kay wonank yow hé li nga wax nak waro ko won wax parce que ñu Sénégal non la ñu yalla. Mais dañ tollu ci dëkk bo xamni mag ni moy def lo xamni yow da ngay yëm ci yalla bu mag waxe nga sa gemine wo nga sa nopp nga ni wa li na la mëna nekk parce que yow sa bop tu es choqué et ça nous choque de voir ça et c'est choquant. Mais nak même il faut amna lo xamni combat ñun dong noko mëna combat man bokuma APR bokuma majorité présidentielle bokuma opposition bokuma FN. Je suis une Sénégalaise lambda qui est dans ce pays-là et qui a des convictions et des valeurs. Et qui a un combat, le combat de la femme africaine, sans mon combat. Maintenant, parfois tu peux en parler, parce que tu ne maîtrises pas tout. Maintenant, si on vient dans les télés pour nous insulter, on ne va pas l'accepter. Mais aussi, li intérêt Sénégal et nous xamné Sénégal ñëpp ko bokk ñu xamné gooni rek yoru nako jigéen ñi rek yoru nako dañé nawlanté na suñu mami da non nawlanté won suñu papa et suñu yaay da non nawlanté won ñun aussi da na wara nawlanté ba yobbu dëkk bi fo xamné fu romb fiñ ko doon fogué mais pas yenn nga xamné c'est pas intéressant et que aussi les hommes de médias et les femmes de médias ñu jappalé ñu su lolu. Que boy tek débat choisir les profils na nek le but na utile à ni les deglo mais pas aussi être dans certaines choses. Man mom je respecte tout ceux qui ont eu à suivre le front pour ce pays là muy gor muy jigen muy mag muy ndaw je respecte toute personne qui a suivi
pour ce pays-là. Mais aussi de la même manière, je ne vais pas accepter qu'on nous ramène dans certains débats, qu'on veut nous faire comme ça. Ça aussi, je ne l'accepte pas. Et aussi, c'est mon droit. Et c'était ça en fait. C'était, comme on le dit, il fallait que je le dise. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Et je m'en excuse si j'ai offensé certains qui, par rapport à mes propos, je m'en excuse sincèrement pas. Sincèrement parler, c'était pas le but de foncer, mais juste qu'on ne peut pas laisser passer. L'homme sénégalais et la femme sénégalaise a le droit d'avoir des convictions, a le droit d'avoir une vision, a le droit d'avoir des ambitions. Nous, femmes sénégalaises, nous avons le droit d'avoir des ambitions d'être des maires, d'avoir des ambitions d'être des ministres, d'avoir des ambitions d'être des élus, des députés, d'avoir des ambitions d'être présente de la République. Parce que nous avons ce mérite-là. Nous avons aussi des femmes qui ont le profil-là. Regardez un Fatou Sow Sarr, ce qu'il fait pour le Sénégal. Regardez Amsatou Sow Sidibé. Des gens comme ça, tu peux dire qu'elle ne peut pas être présidente. Au nom de quoi? Parce que juste elles sont femmes. Donc, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas respectueux envers ces dames-là qui sont sacrifiées. Leur famille, leur vie de couple, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour servir le Sénégal ici et ailleurs, pour servir l'Afrique ici et ailleurs. Donc, on les doit plus de respect, qu'on soit pas dans l'esprit de partisan, parce que si ça prend le dessus, ça gâche tout. C'était ça, en fait, mon cri de cœur de ce soir. Et je m'en excuse sincèrement si j'ai été choquant, mais je pensais que je devais être sincère par rapport à moi-même. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Hein? Il est déjà. Donc bonne nuit, hein? On dit alors bonne nuit et je vous donne rendez-vous bientôt.